Je suis Mia. Le livre magique au loin m'a envoyé. Et vers le ciel de Centopia, je peux voler. J'avance pas à pas sans me retourner, explorant cet endroit magnifique. Est-ce une fantaisie, un rêve éveillé, ou bien encore une autre forme de réalité? Lorsque tombe la nuit, tout devient facile. Je sens que je peux devenir une héroïne. Envole-toi avec moi. Oh, oui. Yeah, yeah, yeah. Avec Yoko, Mo et moi. Oh, vous devez être Mia. Moi, je suis Madame Lassie. Maintenant, asseyez-vous, notre premier cours va enfin pouvoir commencer. Elle a 45 secondes de retard, madame. Vous avez raison, Violetta. Néanmoins, il est très impoli de pointer du doigt les défauts des autres. Oui, madame. En plus, je n'ai pas que ça à faire. Laisse-moi tranquille. S'asseoir correctement est un des aspects extrêmement importants de votre allure. C'est le maintien qui prime. Mais qu'est-ce que tu fais là, d'abord? C'est un cours pour les filles qui ont de la classe, pas pour les ringardes sans aucun style. Peut-être que j'espère que ton allure et ta grâce naturelle déteignent un peu sur moi. Aucune chance. Ne l'oubliez pas, une jeune fille doit être impeccable, quel que soit ce qu'elle fait. C'est pourquoi j'évaluerai chacune de vous dès aujourd'hui dans ce tout premier cours. Alors faites de votre mieux. Mia, non, ce n'est pas une façon de s'asseoir pour une jeune fille. Tenez-vous droite, s'il vous plaît. Prenez exemple sur Violetta. Parfait, cher enfant. Mémorisez le dressage de la table représenté sur cette illustration. Vous avez 5 minutes pour recréer ce que vous avez vu. Et ne l'oubliez pas, mesdemoiselles, les lames des couteaux sont toujours tournées vers l'assiette. Toujours tournées vers l'assiette. J'ai appris à dresser une table en y étant obligée. Un jour, notre femme de ménage est tombée malade. Et on a dû se débrouiller seule toute une semaine. Oh. Je suis sûre que tu ne peux pas comprendre. Tu as raison. C'est très difficile de comprendre une personne aussi gâtée. Pas mal, à condition de ne servir que 4 plats ce jour-là. C'est une fourchette à dessert, pas à salade. La cuillère à soupe à droite, s'il vous plaît. Psst, ne sois pas jalouse juste parce que tu es pauvre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Facile. Pour commencer, tu portes les mêmes vêtements tous les jours. Je te rappelle que c'est notre uniforme, tout le monde le porte tous les jours. Madame, madame! Oui, Violetta? Mia n'arrête pas de me contredire et de me prendre pour une imbécile. Mia, vous devez avoir plus de bon sens. Vous devez être agréable et éviter tout désaccord. Vous avez raison, madame. Je voudrais aller aux toilettes, je peux? Vous voulez aller où? Aux toilettes? Une jeune fille bien élevée ne se réfère en aucun cas à cet endroit. Demandez à aller vous repoudrer, vous rafraîchir ou vous laver les mains. Cela dit, oui, vous pouvez. Merci. Mais le dressage de votre table laisse vraiment à désirer, Mia. Il va falloir travailler. Violetta, c'est parfait.
Bonjour, Mia. Quel est ton mot de passe? Regarde le sol, jamais le ciel. Chasse venin providentiel. Je commençais à croire que je n'y arriverais jamais. Je ne parlais pas de toi, mais d'un chao. Bravo, je suis fière de toi. Tu sais presque voler. Waouh, un chao, il y en a au moins un de nous deux qui maîtrise l'exercice. Où est Mo? Il se cache. La reine Myla veut qu'il se présente à son cours de protocole royal. Oh, c'est comme un cours de savoir-vivre. Crois-moi, je sais ce que c'est. Je parie qu'il croit que je dirai à la reine où il est. Et c'est ce que je vais faire sans hésiter. Je vais t'aider à le retrouver. Je tiens à le voir à ce cours. Ça ne doit vraiment pas être triste. Mo. Passé. Il était juste devant nous il y a une seconde. Qui était juste devant vous? Vous, votre majesté, manifestement. Savez-vous où est Mo? Non, désolée. Je ne le sais pas non plus. Vous en êtes sûre? Quel dommage. Il est pourtant censé venir à son cours de protocole royal. Il doit impérativement apprendre à boire le thé sans bruit, à faire la révérence et à rester sans bouger pendant les discours. Il est extrêmement important qu'un prince soit parfaitement éduqué. Ah, je veux dire, oh, bonjour. Vous n'avez tout de même pas cru que je m'étais caché. Oh. Maintenant que tu as fini de te cacher, commençons le cours de protocole royal. Mia, tu n'as pas un oracle dont il faut trouver le sens? Pitié. Il peut attendre, Mo. Le savoir-vivre est également très important. Pas aussi important que l'oracle. Désolée, mère, le devoir nous attend. Je peux peut-être vous aider. Que dit l'oracle? Regarde le sol, jamais le ciel, chasse venin providentiel. Vous voyez? C'est très compliqué. Il va nous falloir des heures pour comprendre celui-ci. Désolée, mère. Nous n'en aurons pas pour des heures. Je connais déjà la réponse. Une fois que je vous aurai montré où se trouve cet endroit, il restera assez de temps pour ton cours de protocole royal. Eh bien, vous ne venez pas? Ma reine, j'ai des nouvelles très intéressantes aujourd'hui. Silence! Tu ne vois pas que je suis occupée? Je voulais vous parler d'une... Gorgona! J'ai besoin de paix et de tranquillité. Je m'efforce de rassembler mes pensées. Gorgona! Qu'est-ce que tu as fait à Zigo? Sors d'ici! Sors immédiatement de mon château! Mon pauvre bébé chat, qu'est-ce que le temps qu'on fait cet horrible Gorgona? Si tu oses encore une seule fois faire du mal à mon chat, tu seras condamné à ramasser les crottes de dragon jusqu'à la fin de tes jours! Hors de ma vue! Disparais! Elle ne veut pas entendre parler de la licorne à la corne d'or. Très bien. Je vais m'arranger pour la capturer. Et c'est elle qui me suppliera de la lui offrir. Nous y sommes. Voici les jardins suspendus. Waouh! Oh, quelle merveilleuse odeur, les enfants!
Yaha! Si le morceau de trompe-tus est là, ses parfums risquent d'être trop forts pour permettre à Onchao de le trouver. Répète-nous ce que dit l'oracle, Mia. Regarde le sol, jamais le ciel. Chasse venin providentiel. Juste une minute, il ne s'agit pas de nous, mais des fleurs. Ce sont elles qui regardent vers le sol, pas nous. Vous voyez? On devrait rapporter ce morceau au château. Immédiatement. Ah, il me semble que tu oublies quelque chose fort à propos. Oh. Allons-y. Première leçon. La démarche majestueuse. Marche à mon rythme et surtout ne baisse pas la tête. Aidez-moi. On peut déjeuner maintenant? Je meurs de faim! Dans ce cas, en vertu du protocole des elfes, tu dois commencer par servir tes amis. Oh. Je te remercie. Oh, non! J'ai l'impression que tu as oublié le pain. Yeah! Oups! Mo, tu devrais avoir honte! Ce n'est pas grave. J'ai toujours mon assiette. Ah. Yuko, ce n'est pas ce que j'attendais de toi. Ce n'est rien. Oh! Oh. Oh, fais attention, ne jette plus rien. D'accord. Wouhou. Raté. Tiens. Les enfants, je crois que je vais aller ramasser des plantes pendant que vous allez nettoyer tout cela. Je te déconseille de me l'envoyer. Tu vas voir. D'accord, trêve. Comment vous allez faire pour tout nettoyer? Nettoyer? C'est toi qui as commencé. Très bien, admire ce savoir-faire. Waouh, l'aquarium nettoie plutôt bien. Hey Yuko, tu vois cette souche? Je te parie que je la touche. Je te parie que je la touche avant toi. Zigo, où es-tu caché, mon joli chat d'amour? Tu peux te montrer? Cette horrible Gargona est partie maintenant. Zigo, Zigo, viens me voir, où es-tu? Oh, recrache une boule de poils, fais quelque chose. Mais où est mon chat doré? Voilà ma petite licorne à la corne d'or. Et comme d'habitude, les elfes sont encore là. Et comme toujours, ils ont leur aquarium. Qui n'aimerait pas avoir une invitée surprise à un pique-nique? Toi, il ne manquait plus que ça. Hors de ma vue, chat galeux! Non, attends, reste là. Panthéa ne doit pas savoir où je suis. Viens, mon petit chat, viens près de moi. Je suis ta meilleure amie, reste là. Ah, vous avez vu ce tir? C'était le mien. Pas du tout. Demande à Mia. En fait, les amis, je crois que ce tir-là, c'est le mien. C'est vraiment idéal. Un panier de transport. Oh, bonjour, mon chou. Comment vas-tu? Je te cherchais. Hein? Ciao. À votre place, j'éviterai d'utiliser ça.
Ne crains rien, Hongqiao. N'approche pas davantage. Ne lui faites aucun mal. On fera tout ce que vous voulez. Excellente idée. Je vois que nous nous comprenons en fin de compte. Hein? Hé, qui a apporté ce chat? Vous vous souvenez quand on était au palais de Panthéa? Elle n'avait pas un chat un peu comme celui-là? Non, tu te trompes. C'est un tout autre chat. Alors donne-le-moi. Il vous déteste, ça se voit. Tout comme le chat de Panthéa. Vous avez notre licorne, nous avons votre chat. On pourrait peut-être faire un échange. Jamais! Yuko, on devrait dire à Panthéa qu'on a son chat tout de suite ou attendre jusqu'à ce qu'elle soit vraiment folle de rage? Attendre? Non. D'accord. J'accepte. Le chat contre la licorne. Ne crains rien. Attrapez-le! Amenez-moi ce chat en vitesse ou notre marché est annulé! Et n'essayez pas de faire les malins ou votre petite licorne à la corne d'or en pâtira! Viens, petit! N'aie pas peur! Allez, viens vite, petit! Viens vite voir Mo! Petit, allez, viens vite! Arrête de tirer de cette façon! Où est-ce que tu vas? Il est dans cet arbre! Qu'est-ce que tu en sais, au juste? C'est la licorne qui vient de te le dire? Oui, comme si je savais parler leur langue. Regardez, il est là! Faites-le descendre! Je vais le chercher. Les animaux m'adorent. Viens, le chat, viens voir Mo. Oh, pas tous les animaux, apparemment. En revanche, toi, il a l'air de bien t'aimer. Monte le chercher. Mais je ne sais pas voler. Alors grimpe, va chercher ce maudit chat. Ne crains rien, Hongqiao. J'en ai juste pour une minute. Sois prudente. Il faut monter très haut. Et la route est longue avant de réussir. Petit, viens, allez, viens. Je ne te ferai aucun mal, je te le promets. Oh, viens, s'il te plaît. C'est bien, continue. Juste encore un peu. Oh, au secours! Voilà un bien étrange. C'est pour notre pique-nique, ce n'est qu'un chandelier royal. J'ignore encore pourquoi, mais vous y tenez particulièrement. Pardonnez-moi mon impolitesse. Nous vous avons bien mal accueilli à notre pique-nique. Pardon? Notre protocole royal nous impose de vous offrir un bouquet de fleurs. Sentez comme leur parfum est divin. Non! Écarte ces fleurs! Vous avez votre chat, nous avons notre licorne. Allez-vous-en. Oh! Espèce de... Je n'ai pas dit mon dernier mot. Vous ne savez pas encore de quoi je suis capable. N'hésitez pas à vous joindre à nous pour pique-niquer quand vous voulez. Je t'avais dit que tu n'avais vraiment rien à craindre. Je ne laisserai personne te faire du mal. Vous avez réussi à chasser Gargona sans utiliser l'aquarayon, c'est incroyable! Et elle vous a rendu le morceau de Tromptus! Je suis fier de ma mère! Je veux dire... C'est très bien, Mo. Tu n'as pas oublié cette leçon de protocole. En parlant de leçons, nous allons pouvoir reprendre la nôtre. Oh, mais regardez, il commence à se faire tard. On devrait rapporter ce morceau de Tromptus au palais avant que la nuit ne tombe. Ah! Oh. Bon, allons-y. Leçon 10. Le maintien. Redresse-toi, s'il te plaît. Les hanches sont droites. Vous pouvez tout saccager dans ce château. Je m'en moque. Me retrouver, Zigo. Votre
Altesse. Je pense que vous allez être... Zigo, mon amour de chat! Qu'est-ce qu'elle a bien pu te faire, cette horrible Gargona? Mais ma reine, je... Tout cela est votre faute! Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Majesté, il est impératif que vous acceptiez de m'écouter. J'ai vu quelque chose d'absolument merveilleux! Une licorne avec une corne d'or. Et des ailes. Elle vit parmi les elfes. Ils sont prêts à donner leur vie pour la protéger. C'est vraiment un animal extraordinaire, Majesté. Une corne de licorne en or? Vous imaginez le pouvoir qu'elle pourrait détenir? Je pourrais être éternellement jeune! Capturez-la! Faites de cette mission une priorité absolue! Je veux à tout prix cette licorne! Oh non, pas tout de suite! Désolée, Yun Shao. Continue à t'entraîner à voler et reste avec Yuko et Mu. Je déteste vraiment revenir de Centopia. Encore plus quand je me retrouve ici, aux toilettes. Ah! Vous arrivez juste à temps pour la leçon suivante. Vous allez marcher avec élégance et revenir en tournant sans laisser tomber le livre. Mia, vous vous êtes rafraîchie, j'espère. Oui, madame. On considère que c'est élégant d'avoir de la salade entre les dents. Mais enfin, c'est sa faute! À cette pauvre ringarde! Violetta, une jeune fille bien élevée, évite de se conduire ainsi. Mais elle... J'ai... Elle va se repoudrer sans demander la permission. Son éducation laisse à désirer, croyez-moi.